Hello, munissez-vous d'un bon thé ou d'un café, parce qu'aujourd'hui on va papoter réception livresque, mes achats et mes cousettes de février. Allez hop, c'est parti! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et j'avais envie de refaire comme j'avais fait le mois précédent, de papoter et de partager avec vous mes achats, mes réceptions livresques et aussi mes cousettes du mois de février. Donc, on a quand même un peu de boulot aujourd'hui. Il y a quand même pas mal de papotage en vue. Donc, installez-vous bien. Allez, hop, je commence par les livres reçus. Donc, cette semaine, j'ai trois livres à vous présenter. J'ai reçu de la part de mon éditeur qui m'a envoyé gratuitement pas mal de livres. J'en ai sélectionné trois pour cette vidéo puisque je pense que l'univers, entre guillemets, est assez similaire. Et je vous propose de regarder tout ça ensemble. Allez, c'est parti, on attaque par le premier livre, donc La maroquinerie artisanale par Atelier Brune. Donc, je ne connaissais pas du tout. Et j'aime beaucoup son travail, puisqu'on travaille exclusivement le cuir sur des sacs et des accessoires. J'ai appris pas mal de choses, parce que souvent, j'ai travaillé le cuir entre guillemets à la machine à coudre avec mon deuxième livre, mais là c'est vraiment le travail du cuir à la main, donc avec tout le matériel nécessaire et c'est hyper intéressant et enrichissant. On le feuillette? Allez hop! Voici comment ça se présente. Alors il est à 21,90 et donc je vais vous montrer un petit peu pour feuilleter. Alors dans les premières pages déjà, c'était bien parce que ils expliquaient notamment tout ce qui est outillage. Alors, il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas, moi, personnellement. Bon, en même temps, je ne me suis pas penchée forcément là-dessus, mais tout ce qui était coudre à la main, donc ça, je trouvais ça pas mal. Les différentes techniques aussi. Il y a des trucs où j'ai appris, notamment tout ce qui est justement ça ici, le parage, où il faut vraiment affiner, affûter la matière cuir. La couture au point sellier, donc ça, je connaissais de nom, mais le fait de bien voir expliquer comme ça, c'est toujours hyper intéressant. Après, vous avez les lexiques et vous avez ensuite plein de petits tutos pas à pas, notamment pour faire une ceinture en cuir. Alors ça, je vais regarder pour mon homme parce que ça m'intéresse vraiment. Faire aussi l'étui à lunettes. Alors que je vous montre un petit peu, mais vous voyez, tout est fait, il n'y a aucune machine à coudre, c'est vraiment que du travail à la main. Donc je sais que certaines d'entre vous travaillent parfois le cuir, donc je me suis dit que ça pouvait éventuellement les intéresser pour vraiment approfondir en fait ce terrain de jeu créatif. Mais regardez-moi cette ceinture, c'est canon, enfin je trouve ça trop bien. Donc voilà, vous avez le petit sac bourse aussi, tout en cuir, le cabas. Donc c'est pas mal. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a, il y a souvent, vous savez, quand on fait de la couture en cuir, enfin avec du cuir, on a souvent le pro, enfin. Comment je dirais, expliquer sans froisser tout le monde. C'est le cuir vient des animaux, tout ça. Donc là, ben, notamment, vous avez tout ce qui est expliqué au niveau du cuir bovin, cuir de chèvre, cuir de poisson aussi. Et j'ai bien aimé parce qu'au démarrage, il y avait bien une petite mention pour dire que elle précisait, l'autrice précisait que le cuir est un déchet de l'industrie agroalimentaire. Et qu'en fait, l'animal n'est pas tué pour sa peau. Seules certaines industries pratiquent l'élevage dans l'unique but de produire du cuir, notamment tout ce qui est cuir exotique de crocodile ou de python. Et je trouvais que cette petite mention était aussi intéressante à rappeler parce que on ne tue pas l'animal pour prendre sa peau et faire des sacs en fait. Donc ça, c'était avant. Avant toute cette législation qui a été faite au niveau de la protection de la faune et de la flore. Et donc, je trouvais ça intéressant d'avoir cette mention-là. Elle fait également le parallèle avec le simili-cuir ou tout ce qui est cuir vegan ou cuir végétal.
Donc en fait, j'ai appris quand même pas mal de choses et j'étais contente. Et je pense que j'aimerais bien tenter quand même le truc, vous savez, pour la ceinture. La ceinture, ça me tente beaucoup parce que je me sens pas encore capable de faire une grosse sacoche comme ça, même si j'adore. Donc voilà. Si ça vous intéresse, la maroquinerie artisanale de Atelier Brune. Le deuxième livre, ça s'adresse plus aux débutants puisque c'est Se lancer en couture de Mathilde Pau. Donc pareil, une vraie bible, pas mal de petites infos hyper pratiques, surtout quand on débute, le choix de la machine, l'explication, comment se servir de la machine à coudre, les petits tips qu'il ne faut pas oublier, le fil, tous les accessoires. C'est vraiment une petite bible si vous débutez en couture. Je vous propose de le feuilleter. Donc, Se lancer en couture de Mathilde Pau. Alors, pour les débutants en couture, donc vous avez quand même pas mal de mines d'informations. Donc, on a tout ce qui est accessoires. Vous voyez, on explique vraiment le béaba, les différents pieds, à quoi ça sert, ce que vous pouvez faire avec, les différentes canettes aussi, les aiguilles. Donc, c'est vraiment une petite bible quand on se lance en couture ou si on souhaite faire un petit cadeau à quelqu'un qui se lance en couture. Je pense aussi aux enfants. Souvent, on a des enfants qui se lancent. Et ben, c'est pas mal parce que vous avez aussi, vous voyez, toutes les matières en fait, les t-shirts, ce qu'on doit prendre comme matière. Ça explique aussi comment coudre par exemple le jacquard, ce genre de choses. Donc, j'ai trouvé ça quand même vraiment bien. Parce que souvent quand on commence, on est vraiment perdu. Et après, il y a aussi un truc qui m'a fait rire aussi, c'était voilà, pratiquer la couture en toute sécurité et harmonie. C'était sympa de comment dire, Mathilde dépeint qu'il faut du calme, de la sérénité, prendre un moment pour soi et tout. Et en fait, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Il faut arrêter, il faut pas stresser, faut souffler, respirer et se lancer tranquillement en fait dans la couture. Donc j'ai trouvé ce chapitre plutôt pas mal. Après, ben vous voyez, il y a tous les détails par rapport à la machine à coudre. Voilà les différents points. Donc là, elle travaille avec une faf, mais c'est plus ou moins les mêmes choses en fonction des différentes machines standards. Donc j'ai trouvé ça pas mal. Après, petit projet, bon, on a tous commencé par là, puisque le premier projet, c'était les lingettes. Donc c'était pas mal. Et ça m'a donné envie d'en refaire. Donc voilà. Le bandeau aussi. Maintenant que j'ai les cheveux longs, je vais pouvoir peut-être me faire un petit bandeau. Donc ça va être cool. Vous voyez, il y a quand même des projets avec une robe upcyclée. Donc ça, c'est pas mal, hein, en récupérant un t-shirt. J'ai trouvé l'idée plutôt cool d'avoir cette petite technique de recyclage. Et après, il y a toute la partie patronage. Donc c'est ça qui est bien aussi en expliquant les patrons du commerce, PDF ou patron pochette, comment analyser la difficulté du patron et tout ça. Donc ça, c'était vraiment pas mal. Décoder le patron. Donc vous voyez, c'est quelque chose. Utiliser ses chutes, c'est bien ça. Donc c'est vraiment un livre pour les débutants, hein, mais ça peut toujours être utile. Moi j'ai bien aimé avoir certaines piqûres de rappel, notamment, et ça m'a même donné des idées au niveau de cette page-là. Vous voyez les plis, pli-plop, plis religieuses. Je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, mais ma créativité s'est mise en ébullition quand j'ai vu ça. Je me suis dit, c'est pas mal cette idée-là aussi. Un petit piqûre de rappel sur les plis, poser du biais. Donc voilà. Et je crois qu'il y a même posé le passepoil. Donc voyez, il faut pas hésiter. Et enfin, le dernier, coudre à la surjeteuse. Alors celui-là, j'étais super contente de le recevoir parce que j'utilise beaucoup ma surjeteuse pour tout ce qui est vêtements. Et des fois, j'hésite. Vous savez, j'ai pas eu de formation pour la surjeteuse, donc on se dépatouille un petit peu. Mais là, j'ai pas encore eu le temps d'en prendre pleinement connaissance, donc je préfère être honnête avec vous. Je l'ai simplement feuilleté comme ça, mais déjà, il y a plein de trucs et astuces où je me dis, ah, trop bien! Je vous propose qu'on le feuillette ensemble.
Notre petite dernière, coudre à la surjeteuse. Donc là, c'est toujours à 23,90. Donc apparemment, vous avez un cours vidéo gratuit qui est inclus en plus dans l'achat du livre. Donc, je n'ai pas eu l'occasion encore de le tester. Donc, ce qui est pas mal. Alors, quand utiliser la surjeteuse? Je le feuillette en même temps que vous parce que honnêtement, je n'ai pas encore eu le temps de le faire. C'est pas bien. Mais oui, c'est principalement de l'habillement et franchement, ça va vraiment me servir. Voilà, le point sur G, flat lock, vous voyez, tous ces trucs, régler la longueur du point et tout ça. Hop. Ah, rentrer les fils de la surjeteuse. Donc, ça, arrêter la couture. Donc, avant de commencer, hop, je vais regarder de l'autre côté. À mon avis, on aura aussi des projets. J'aime bien cette petite collection facile chez l'éditeur parce que dans un livre, vous avez vraiment, entre guillemets, une petite bible qui vous explique vraiment sur un thème bien précis. L'assemblage et la surjeteuse, l'assemblage, les cols montants, les bandes de poignet. Ouais, non, mais c'est top parce que des fois, j'ai vraiment... souvent, je fais des... Je suis les patrons, mais il y a des fois, quand on coud, par exemple, du jersey, tout ça, j'ai bien... Enfin, je couds à la surjeteuse, mais je ne suis pas sûre que mes finitions intérieures, elles soient tip-top, nickel. Et je trouve que c'est vraiment bien d'avoir cet exemple-là. Donc, on peut même faire des espèces d'empiècements et tout. Génial! Je pense que je vais m'amuser avec ce petit livre. Donc, qui sait? C'est Émilie Grontec qui a écrit Coudre à la surjeteuse. Je vous propose maintenant de passer à mes cousettes du mois de février et je suis très fière de vous dire qu'elles ont été beaucoup plus nombreuses qu'au mois de janvier. Par contre, j'ai un aveu à vous faire, je n'ai pas fait de cousette de vêtements, donc dès le deuxième mois, je flanche dans mon challenge. Bon, en même temps, je suis partie une semaine en vacances, donc c'était difficile sur 3 semaines de faire tout ça. Donc, j'essaierai de me rattraper sur mars en faisant 2 cousettes de vêtements. Bon, si je fais peut-être une culotte, j'irai peut-être plus vite, hein, on ne sait jamais. Donc, mes cousettes. Alors, je vais peut-être vous les faire dans le désordre parce que, essentiellement, nous avons des sacs et des accessoires. Et vous avez déjà vu pas mal de ces cousettes sur les vidéos précédentes, puisqu'il y en a certaines, je vous les ai présentées en vidéo. On va commencer par mon petit June. Il est trop beau. J'ai pas encore mis la bandoulière, mais mon petit June, je suis super, super, super contente. J'attendais justement que le soleil fasse son apparition pour pouvoir pavaner avec. Et puis, j'ai plus qu'à rajouter la petite bandoulière. Donc, si vous avez besoin, mon petit June, j'ai fait un article sur le blog et vous avez également une vidéo pour vous détailler un petit peu mon processus créatif. Le mois de février aussi, c'était le début du challenge Good Vibes by Jen. Donc forcément, en ma qualité de coach, il fallait que je motive les troupes. Donc j'ai fait une jolie pochette Rachel en premier. J'ai commencé par ça, notamment avec, vous savez, l'idée des customisations appliquées, écrire Good Vibes et tout ça. Donc tout ça, c'est pareil. Alors pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous voyez souvent tout en live. Dès que je fais une cousette, j'essaye de partager au maximum en story. Je peux pas le faire systématiquement pour YouTube parce que déjà là, ça me prend un temps énorme. Donc, j'essaye de vraiment centrer des projets qui sont vraiment très intéressants où il y a vraiment un petit plus pour vous. Je pense que de mémoire, j'ai fait également un article sur le blog pour vous expliquer notamment le rabat avec ses différents empiècements. Et vous avez également les petits patrons PDF qui sont gratuits et en téléchargement sur mon site pour justement customiser vos cousettes.
Pour cette Rachel, il y a un autre truc où je suis super contente, c'est que vous savez, j'ai toujours eu du mal à trouver des petites lanières. Vous voyez, des petites lanières. Bon, là, j'ai le fil du micro, mais je vais essayer de vous montrer. Voilà, des petites lanières qui ne soient pas trop épaisses, parce que souvent, on se retrouve avec des gros bazars. Donc, pour les petites pochettes et tout, j'ai trouvé ça hyper top. Et j'ai acheté, en fait, comme ça, de la lanière au mètre. Et j'ai trouvé chez la mercerie des créateurs, la bafouille, le retour, j'ai trouvé des petits mousquetons. Alors ça, j'ai trouvé ça extra. Je vous les montrerai en fin de vidéo avec mes achats, puisque forcément, ça fait partie de mes achats de février. Donc en fait, j'essaye de régler ma lanière en simili cuir en fonction de la dimension que je souhaite. Et je la fixe avec directement dérivé au petit mousqueton. Donc voilà, donc je suis super contente parce que ça franchement parfois c'est une galère ou des fois c'est vraiment hors de prix à trouver. Et là j'ai trouvé un système, donc c'est cool. Autre cousette qui rentre aussi dans le cadre du challenge Good Vibes, et là vous avez la vidéo YouTube, c'est Austin. Bon, Austin, je ne vous le présente plus. C'est ma superbe création, toute de bleu vêtue, et je suis contente de cette version hyper créative, en plus avec des perles. Donc si besoin, je vous remets la vidéo ici en haut, si vous souhaitez en apprendre plus sur cette cousette. Et comme j'étais toute motivée, j'ai enchaîné avec Nelson. Donc Nelson, pareil, vous avez la vidéo sur YouTube. Je suis trop contente de ce Nelson parce que vous pouvez être fière de moi, j'ai mis des touches de rouge. Je me suis challengée un petit peu avec parcimonie du rouge, hein, mais j'en ai mis quand même. J'ai mélangé les matières et en plus j'ai joué les alignements, donc ça c'était top. Donc ce coupon brodé, vous le retrouvez également en vente sur mon site internet pour celles et ceux qui n'ont pas de brodeuse. Pour le lien du motif, je vous renvoie à la vidéo en fait où j'ai expliqué ma cousette du Nelson, puisque je vous ai mis directement dans le descriptif le lien pour acheter le motif de broderie. Voilà, donc je suis très contente, j'aime bien ces couleurs, en plus ça a changé après mon joun hyper coloré, mon sac bleu, j'aimais bien retrouver des couleurs un peu plus naturelles. Et donc c'était cool. Voilà. Autre cousette aussi, puisque j'ai reçu de la part de l'univers de Méline un gentil petit présent, un cadeau avec des magnifiques tissus. C'était top et je la remercie beaucoup. Marine, si tu passes par là, je te fais un bisou. Je vous remettrai en descriptif dans la barre d'infos le lien vers son site internet. J'ai fait donc une jolie petite pochette. Donc l'univers de Méline, j'avais reçu ce joli velours tout doux et aussi ces tissus imprimés. Donc là il n'y avait qu'une couleur, je l'ai reçu en deux coloris différents et je les ai trouvés trop canon. Donc j'avais envie de faire une petite pochette avec pas mal d'appliqués. Donc je me suis amusée, vous voyez. Vous savez, entre toutes les commandes de coupons, des fois j'ai un besoin viscéral de coudre et donc je me fais une pause et puis hop, je cherche souvent un petit projet à faire comme ça, ça me permet au moins de coudre quelques petits trucs entre vos commandes. J'essaye de concentrer vraiment les coutures comme le Nelson ou le Austin, tous les coutures qui pourraient vous intéresser, j'essaye de les concentrer plutôt en fin de semaine à partir du vendredi, parce que je sais que sur Instagram vous êtes beaucoup plus nombreux à être connectés et comme les stories ne durent que 24 heures, je voudrais que chacun et chacune puisse pleinement en profiter. Donc je concentre tout ça fin de semaine, ça me permet début de semaine d'avancer, de dépoter vos commandes. Donc voilà, donc si vous souhaitez les références au niveau des tissus, c'est direction l'univers de Méline. Je vous mets le site dans le descriptif. Et enfin, avant de partir tout chousse pour ma semaine à la montagne, j'avais envie de faire une dernière cousette. Et c'était cette cousette-ci. Donc pareil, vous avez aussi
la vidéo YouTube directement sur la chaîne. C'était en rapport, vous savez, avec le coussin de Kevin Wu. Vous m'avez demandé, beaucoup d'entre vous voulaient la technique. Et donc, je l'ai réutilisé en fait pour faire un coussin pour mon salon. Et donc, ça me permettait au moins de vous montrer comment faire assembler tout ça façon patchwork. Et finalement, je suis très contente de mon petit coussin, de cette alliance de couleurs. C'était cool. Ça m'a permis de faire une petite cousette avant une semaine sans couture. Mais ça va, j'ai survécu. J'ai pu faire du ski. J'ai pu faire aussi de la randonnée. Comment ça s'appelle, avec les trucs là, vous savez, où on marche comme ça là en pingouin. J'ai pu faire de la randonnée en raquette, voilà. Donc ça, c'était une belle découverte, j'ai adoré. Mes fesses ont un peu morflé un petit peu avec le ski et la luge, mais ça va, j'ai survécu. Et les garçons, les Sioux ont bien aimé aussi, donc c'était cool. Voilà, donc autre cousette que j'ai pu faire sur le mois de février. Alors, petite précision pour le coussin de Kevin Wu, parce que j'ai eu beaucoup de questions là-dessus. Au niveau des dimensions, j'ai fait 52 cm sur 40. Donc je rajoute, n'oubliez pas de rajouter 1 cm de marge de couture de chaque côté, comme ça vous avez à peu près les proportions. Et des fois je me dis il est trop grand, parce que des fois il se blottit bien dedans, mais des fois il s'étale comme je sais pas quoi, il déborde de partout. Mais logiquement, si votre chat est pas trop gros et pas trop, on va dire, s'il reste bien vers le milieu, il n'y a aucun souci au niveau des dimensions. Allez, on passe à mes achats. Bon, j'ai eu que 3 semaines, donc j'ai pas fait énormément d'achats. J'ai surtout fait des gros achats de passepoil. Oui. Il fallait, j'en avais plus. Comment voulez-vous que je survive sans passepoil? Donc, on me demande aussi, on me pose souvent la question de savoir où je range mes passepoil. Ils sont tous là, vous voyez, dans ce petit tiroir. Et donc, j'ai acheté tout ça. Oui, je sais. Oh, c'est bon, hein. Le passepoil, c'est la vie. Donc, voilà. Non, j'ai acheté parce que à chaque fois, j'ai pas assez de couleurs. Vous voyez, il me restait quelques petits rouleaux. Et c'est franchement très, très ennuyeux. Et comme je suis une grosse consommatrice de passepoil, là, au moins, je suis tranquille pendant un certain temps. Donc, j'ai pris uniquement des passepoils unis. J'ai quelques passepoils un peu pailletés. Mais alors, je ne sais plus où je les ai mis, pourquoi je ne les ai pas mis là. Mais j'ai pris essentiellement, en fait, des unis. Et souvent, on me demande la largeur du passepoil que je prends. Je prends souvent des 1 cm. Ouais, 1 cm, ça me paraît bien. Après, ça dépend la taille du cordon. Si je veux vraiment un passepoil qui se voit beaucoup plus, je vais le fabriquer moi-même, en fait. Donc, je vais prendre un cordon indépendant et puis je vais fabriquer le passepoil moi-même. Donc voilà une grosse partie de mes achats de février. Et après, j'ai acheté des petits trucs chez la Mercerie des Créateurs et je vais vous montrer. Donc, chez la Mercerie des Créateurs, donc vous voyez, c'était ça dont je vous parlais pour la pochette. J'ai rajouté des tout petits mousquetons. Et en fait, comme ma lanière, elle n'est pas très... Je crois que ça doit faire... Oui, c'est 1 cm. Eh bien, ils sont tip-top, ces mousquetons, pour cette lanière-là. Et après, j'ai plus qu'à mettre un rivet. Vous voyez, je rabats comme ça. Bon, vous n'avez pas forcément de... Comment on appelle ça? Vous savez, de trucs pour régler la taille. Mais je pense que c'est beaucoup trop petit. Et puis, c'est quand même vachement épais, le 6 mm. Donc, je me suis dit, bon, ça sera déjà mieux que rien du tout ou que des trucs à prix excessif. Donc voilà ce que j'ai fait. Alors que je vous montre un petit peu, voilà, c'est ces mousquetons là, voyez. Donc j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Donc il y a Or Rose, mais il y a aussi Gun, je crois, et aussi Argenté. Donc voilà, sinon j'ai repris aussi ce genre de petites choses, des embouts de zip. Et j'ai aussi fait le plein sur les curseurs et tout ça. Donc, j'ai pris les curseurs papillons. Voilà, donc j'ai pris en plusieurs,
en plusieurs coloris et aussi les petits curseurs fleurs comme ça. Voilà, mais ça va, j'ai pas trop craqué le sac. Vous voyez, j'ai pas trop dépensé. J'essaye d'acheter vraiment au fil de l'eau en fonction des projets que je prévois. Par contre, là, je m'aperçois qu'il va me manquer de mousquetons ou de choses comme ça. Et je crois que je vais devoir repasser commande. Voilà, j'espère que cette vidéo papotage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos cousettes à vous sur le mois de février, ce que vous avez fait. C'est toujours intéressant de savoir ce que vous avez cousu et peut-être que vous pourrez m'inspirer de nouveaux projets. Je vous embrasse, je vous souhaite un super week-end et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye !